Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Alors aujourd'hui, je vais poser une question. Peut-on intégrer les rêves et quelles valeurs ont-ils dans le travail thérapeutique? La valeur des rêves est très importante en thérapie car elle permet finalement aux patients de pouvoir sortir des informations au travers des symboles. Je voudrais revenir sur un livre qui est peut-être passéiste pour beaucoup, en tout cas de mes confrères et consoeurs, et pourtant qui a son importance. C'est l'interprétation des rêves de Freud où il explique que les rêves ont un rôle clé, majeur dans le travail thérapeutique puisqu'ils permettent aux personnes de pouvoir revenir sur des pensées dans la partie nocturne qui ont été contenues dans la partie diurne. La question, est-ce important dans le travail thérapeutique? La réponse est clairement oui dans le cadre de mon travail. Par exemple, vous savez que ma chaîne est axée essentiellement sur les violences morales. Parfois, des personnes en état de stress intense vont se mettre la nuit à rêver. Alors, on peut faire des rêves d'intensité modulable, mais à ne pas confondre avec certains cauchemars. Les rêves sont pour moi l'équivalent d'un moyen qu'a le cerveau de pouvoir relâcher des émotions et de pouvoir aussi, au travers des symboles, permettre un travail qui va vous faire réfléchir sur telle ou telle situation. Parfois, les rêves sont totalement symbolique, à d'autres fois au contraire il mélange des personnages que vous avez connus et tout se passe, toute votre histoire va se passer autour des rêves. Donc j'intègre dans mon travail de thérapeute les rêves comme étant importants et il me semble évident que le rêve c'est aussi le moyen qu'a l'esprit de pouvoir apaiser des tensions et il me semblerait anormal de ne pas l'intégrer au travail thérapeutique et de ne pas écouter le patient à travers ses rêves. D'ailleurs, dans mon travail, j'encourage mes patients à noter leurs rêves, hein, voilà, de manière à ce qu'ils puissent en parler parce que dans les violences morales, je reviens à ces violences morales, ces violences de manipulation, c'est vraiment de grosses violences, eh bien, le rêve va permettre de comprendre par des symboles un certain nombre de choses. Il ne s'agit pas de l'interprétation des rêves, je ne suis pas là pour les interpréter. Néanmoins, le rêve dans le travail thérapeutique est extrêmement important. N'ayez pas peur, continuez à rêver, c'est excellent pour le cerveau. Merci pour m'avoir écouté, au revoir